Allez, on se retrouve pour ce débat fac du mardi. C'est petit, notre petit rendez-vous. Vous avez vu, on a un petit habillage. Hein on, on se modernise. Hein, je vous l'ai dit, on, on essaie de progresser doucement. Mais sûrement, voilà, petit habillage. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit visuel amélioré. Euh, salut à Kit, salut Echo, salut Lopsy, le connaît. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Euh, du coup... Ah, tu vois, quitte. Ça, merci, ça fait plaisir. Euh, Dites-moi ce que ce, ce dont vous voulez parler. Il euh, y a un gros match demain face à Tottenham. Euh, merci, Christopher. Euh, gros gros match. Entrée en lice en Ligue des Champions. Donc euh, dans quel état d'esprit vous voyez ce match? De quoi vous voulez, vous voulez, vous voulez parler Il y a Longoria qui a encore... Évoqué les dossiers euh, en conférence de présentation euh, hier, euh, il y a la Ligue des Champions, il y a pas mal de choses. Donc, euh, c'est vous qui faites le programme, euh, question, programme, c'est comme vous voulez. Euh, oui. Alors, euh, une réaction sur les incidents sur les incidents qui se sont déroulés euh, à Auxerre, me demande euh, l'Iconé. Euh, bah, écoute, c'est triste. C'est malheureusement euh, euh, ce genre de choses qui donnent des arguments euh, aux, 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 aux forces de l'ordre, plutôt aux pouvoirs décisionnaires pour empêcher les déplacements, pour euh, fermer des tribunes, etc. Donc euh, c'est triste. Ouais. Bon, a priori, il y avait n'était euh, pas forcément que des Marseillais et des Auxerrois. Il y avait des Parisiens qui étaient venus foutre le bordel. Donc euh, ouais, c'est assez triste. Ah, le son est très bas. Comment ça, le son est très bas Est-ce que c'est encore ce micro qui déconne Est-ce que ça va mieux Dites-moi si ça va mieux. Je rapproche un peu le micro. Au niveau de, de je peux monter un peu comme ça. Dites-moi. Ah, ok, au top pour euh, pour tac c'est déjà pas mal. Euh, bon, dis-moi dis petit tout l'opsi si c'est si c'est bon. Bizarre, bizarre, bizarre. 1, de, 1, 2, test. Non, ça, ça a l'air d'être pas mal. Pourtant, euh, moi, euh, sur mon visuel, j'ai pas de problème de son. Donc, euh, je sais pas. Bon, pour pas mal de monde, ça a l'air de bien marcher quand même. Monter le son, les autres. Euh, alors, quitte, tu dis, est-ce qu'il y a. Un bif entre Touré et Tudor. Non, je pense pas, parce qu'il en avait parlé en conférence de presse. C'est kit qui me demande ça. Euh, il le trouve très jeune. Il a recruté. Ils ont recruté des joueurs d'expérience. Donc euh, il valorise d'abord les joueurs d'expérience. Après, il avait fait rentrer en fin de match et c'était vraiment symbolique pour lui dire je t'ai pas oublié, je sais que t'es là. Maintenant, s'il n'est pas dans la liste, euh, ça c'est plus lié aux sanctions, du fait que t'es es que 20 joueurs. Au lieu de 25, qu'autre qu chose. Je pense qu'ils ont préféré garder les, les joueurs expérimentés à ce poste qui est assez logique pour la Ligue des Champions, en fait. Ce n'est pas une sanction. Pas une sanction. Euh, Marseille 9, tu dis, il y en a qui parlent de magouille à Langoria. Rassure-moi, cela, cela reste dans la légalité. Ben, ça, c'est difficile à savoir. Alors, Il euh, y en a, je pense que c'est surtout euh, Molina qui a mis un peu les pieds dans le plat, euh, qui explique un peu euh, comment. Euh, notre ami Longoria pousserait certains joueurs à changer d'agent. Euh, donc ça, malheureusement, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, malheureusement, c'est monnaie courante dans le milieu. Il y a beaucoup de directeurs sportifs qui font ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, Est-ce que Dieng, ce n'est pas une histoire d'agent On peut se poser la question. Et euh, ce qu'on appelle Magouille, euh, je ne sais pas exactement, mais euh, c'est vrai que, par exemple, le, le, la vente de Hake contre Tongya pour 8 millions d'euros chacun... Ça, c'est pas très net. Il y a une enquête en Italie là-dessus. Euh, on peut se poser des questions. Moi, je ne sais pas s'il y a des magouilles, mais ce, ce, ce transfert-là peut poser des questions, en tout cas. Ok, Slim, ça va. Si tu m'entends, si c'est le plus important. Après, je peux essayer de mettre le micro un peu plus face à moi. Comme ça, ça sera peut-être mieux. Euh, alors. Euh, je vais me déplacer, ça j'ai le micro, ça va être peut-être mieux comme ça. Euh, alors on m'a parlé de compo. Euh... Ah l'icône, tu donnes une précision, dis, le bar resto saccagé explique que ça a bien été des, des Marseillais. Oui a priori il y a eu, ça s'est bastonné, Et dans ces cas-là on sait ce qui se passe, les mecs ils chopent tout ce qu'ils trouvent à côté d'eux, des, des chaises, des tables, etc. Donc ouais c'est pas très fin. Euh... malheureusement les magouilles avec les agents euh, les arrangements entre amis euh, c'est un peu monnaie courante euh, dans le milieu quoi. dans le milieu du football en général c'est pas, pas, pas le précaré de Pablo Longoria je pense qu'ils sont tous un petit peu là-dedans euh, Fanatics13 qui prend euh, un abonnement avec Prime, 4 mois d'abonnement merci à toi, je le répète à chaque fois c'est euh, ceux qui sont abonnés Prime, ça vous coûte rien. C'est juste un choix de nous le donner, euh, de, 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 vous, de lier votre, votre abonnement au nôtre, et ça nous ça nous rémunère un petit peu. C'est pas grand chose, mais euh, si beaucoup de gens le font, ça, ça fait déjà un petit peu de, de, de soutien. Et c'est important pour nous. On a besoin de, de tout ce genre de soutien. Donc un grand merci à, à Fanatic Stress qui, qui vient de ce sub euh, je remonte un peu, j'avais pas une question. On avait parlé un petit peu de. Je vais le mettre en mode lent quand même, parce que ça va un peu vite pour moi là. On avait parlé de la compo. Quelle compo pour demain Echo qui demande. Euh... Il y a Echo, mais je crois qu'il y en avait d'autres qui en avaient déjà parlé. Euh... Logiquement, alors je peux vous faire ma compo et la, la, la compo qu'il devrait y avoir. Je pense que logiquement, si on part sur la compo logique par rapport aux forces en présence, à mon avis, on part. Lopez, pas de surprise, Bailly dans l'axe avec à droite Mbemba, ça c'est sûr, à gauche je mettrai quand même une petite pièce sur, euh, sur Kolasinac, euh, sauf si vraiment Gigot est à 100% mais je ne suis pas sûr, euh, milieu de terrain tout rongier Tavares à gauche, Kloss à droite, je pense qu'il va mettre euh, Gerson Gendouzi avec euh, Luis Suarez en pointe, à mon avis ça c'est la compo. Ça, c'est la compo. Euh, D'ailleurs, il y a Fossé du 65 qui dit que euh, mérite, mérite de jouer. C'est vrai qu'il a, il a, bon euh, a fait un bon match face à Auxerre. Donc euh, pourquoi pas. Euh, Balardi est pas trop à l'aise à ce poste à euh, gauche. Si Gigo n'est pas à 100%, je, je mettrai une pièce sur Colasinac. Euh, sur Après, je ne pense pas qu'on aura énormément de surprises. En pointe, il n'a pas le choix. Payet, a priori, a repris l'entraînement malgré. Euh, sa petite blessure au, au mollet. Le mollet c'est compliqué, on peut vite rechuter. Je pense pas qu'il débutera Payette. Donc euh, voilà, je pense que ce sera plus ça. Ça sera plus euh, Gerson euh, Gendouzi en soutien de Luis, Luis Suarez. Euh, Clyde, tu dis pourquoi pas euh, Payette en neuf. Pourquoi pas Mais je pense que le, le fait qu'il se soit blessé et qu'il était... Euh, qui reprennent juste. Je ne sais pas si euh, dans un match qui va être à haute intensité, c'est la Ligue des Champions. Euh, je ne pense pas qu'il va prendre le risque de le, de le faire jouer. Surtout, comme je vous dis, les blessures au mollet. C'est très compliqué. Tu peux vite rechuter. Donc peut-être qu'il fera rentrer, mais je ne vois pas débuter le match. Après, euh, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas une information là-dessus. Donc euh... Salut Nvidia. Euh, toi Christopher, toi tu, tu mises plutôt sur euh, Gendouzi qui jouerait un peu plus bas. Alors moi perso, justement, moi je vous ai donné la compo que j'imagine qu'il va faire. Moi perso effectivement c'est ce que je ferai. Je sortirai verrai que je trouve un peu lent et qui n'est pas encore à 100% à mon avis. Et je mettrai, euh, je mettrai rongier avec Gendouzi à la récupération. Après devant, du coup, euh, est-ce que tu fais débuter un... Harit, uh, je ne sais pas parce que défensivement, je ne sais pas trop. Peut-être uh, Gerson, ça c'est sûr, mais qui tu mets avec Gerson C'est peut-être la question qu'on peut se poser dans le chat. A mon avis, s'il y a bien une incertitude, c'est à ce poste de, de, deuxième, de deuxième faux 9, euh, faux, faux 10, pardon, avec Gerson. Qui, qui, qui faire jouer à côté de Gerson et derrière euh, Luis Suarez, c'est la question. L'Iconet 11. Euh, qui s'est abonné aussi avec Prime. Deuxième mois d'abonnement. Merci à toi, euh, Liconé, Ça fait plaisir. C'est un soutien important pour nous, je le redis. Euh, ça nous aide. On a, besoin, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour continuer à, à, à bosser, à, à pour faire ce genre de petit habillage. Merci à Ben, qui a eu un peu le temps pour, pour travailler là-dessus. On, on, on essaie de progresser euh, tous les jours. Euh toi aussi tu dis oula t'y tu méfiance non non je, je me posais la question je, je suis pas sûr euh... undertale j'ai quoi paillette va faire quoi en neuf? pas de physique pas de profondeur pas de jeu de tête on est si faible que ça non non euh, drvk oh drvrk Bon, C'est peut-être un diminutif. En tout cas, non, mais il ne jouera pas en neuf. Ça sera, ça sera Suarez en neuf. Il n'y a pas d'hésitation. De, 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 Diang, euh, Clyde, il ne peut pas. Il peut pas. Dieng, il n'est pas sur la liste, ni bac en bout d'ailleurs. Ils ont fait des choix là-dessus. Donc non, non. Ça sera Luis Suarez, attaquant de pointe. Et il n'a pas de remplaçant. Euh... Echo, toi tu dis il faut jouer en 4 2 3 1. Moi je pense pas Echo parce que tu vas pas changer ton système de jeu qui marche plutôt bien depuis le début de la saison et t'adapter. Euh, je pense que ça va être intéressant parce que tu vas avoir un, un duel euh, quand même euh, avec un Tottenham qui joue un peu comme, euh, comme tu dors. Euh, je crois que c'est Memo qui, euh, qui posait une question comme ça sur, sur, euh, sur Twitter qui disait mais ça va être une confrontation. Euh, Contre Tudor, c'est deux, deux joueurs formés à l'école italienne, à l'école Juventino. Donc euh, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que Conté, c'est aussi ça. C'est le jeu vertical, beaucoup de vitesse avec, euh, avec Son. Euh, on a un attaquant-tueur avec euh, Harry Kane. Euh, c'est physique, ça va vite. Euh, ça sait très bien défendre. Donc euh, oui, ça va, être, ça va être dur. Et puis il va y avoir de l'engagement. Mais ça, c'est intéressant. C'est le premier gros test de la saison pour, pour l'OM. Donc euh, j'avoue que j'ai hâte, j'ai hâte d'être de, à demain soir et de regarder ce match. On sera en studio d'ailleurs. Donc euh, restez connectés avec nous. On fera peut-être un petit avant-match. On verra selon euh, si on arrive suffisamment tôt. On fera peut-être un avant-match sur Twitch et un après match euh, juste à la fin du match. Mes euh, mots, justement, mais voilà, j'ai répondu à ta question. Doit-on faire une équipe pour défendre haut avec le seul Suarez devant et mais C'est vrai que l'autre solution qu'on avait déjà vue euh, avec Tudor, et c'était plutôt dans les matchs amicaux, c'était de renforcer le milieu avec un milieu à 3. Dans ce cas-là, tu fais descendre Gandouzi et tu laisses Rongier et Vert et tout. Donc tu restes milieu à 3. C'est-à-dire que il joue, mais plus bas. Et effectivement, Gerson monte un peu d'un cran et fait vraiment deuxième attaquant avec Suarez. Euh, et donc, tu as un bloc plus compact au milieu. Donc, ça, c'est vrai, on l'avait vu, je crois, deux fois lors des matchs amicaux. C'est peut-être une solution que pourrait utiliser Tudor. C'est vrai, je suis d'accord avec cette, euh, cette observation. D'ailleurs, Echo euh, fait écho à, à ça en disant il faut renforcer le milieu c'est peut-être une, une, une possibilité. Euh, Marimo, tu me demandes euh, mon prono pour demain moi, euh, on a fait les paris avec Betclic euh, hier sur euh, DFM, euh, j'ai joué le match nul, mais euh, je pense que ça va être dur, ça, ça va être dur. je ne je, je sais, sais pas trop comment ça va se passer, Tottenham euh, fait un bon début de saison en première ligue, et je crois qu'ils sont premiers avec euh, Arsenal, euh, donc euh, ouais. déjà match nul je serais content, après ça dépend de la physionomie du match, on va, on va, voir, on va voir comment ça va se passer, mais c'est un, un bon test, c'est un super bon test pour l'OM quoi. Euh, Glim, tu, tu dis GLM euh, plutôt. Euh, et si Suarez se blesse, on a plus de 9 alors qu'on laisse, qu laisse 2 à Marseille. Eh oui, ça a été un choix. Bon, après, euh, t'auras euh, Sanchez qui sera disponible dès le prochain match. Et là, c'est parce qu'il est suspendu, il est pas blessé. Euh, Jolazniac, toi, tu dis pas sûr que Suarez joue. Euh, ça peut être aussi Gandouzi, Gerson, Harit. Harit, c'est un vrai joueur de contre-attaque. Oui, c'est vrai que ça peut être une solution, Rite en faux neuf, mais moi je pense qu'ils vont plutôt mettre Suarez, parce que Suarez, il a quand même le coffre pour faire du pressing, de courir dans tous les sens. C'est aussi une de ses qualités, donc euh, non, je pense que Suarez sera, sera titulaire. Euh, Tac toi tu dis, oui, il y aura beaucoup d'espace avec la config de Tudor pour Son et, et Kane. Oui, ça, ça va être très dangereux. Euh, ça va assez vite, euh, donc il faudra vraiment se méfier. Woody, tu me demandes ce que je pense de l'apport de, de verre et tout. Pour l'instant, je reste un peu sur ma faim euh, Il n'est pas mauvais. Je vois les qualités qu'il peut avoir, mais je trouve qu'il n'est pas encore au top. Il n'est pas encore au top. Euh, je trouve qu'il il joue simple, c'est une de ses qualités, mais des fois c'est un peu trop lisible. Euh, je pense qu'il faut qu'il faut qu prenne un peu plus de risques dans, dans, le, dans les passes, parce qu'il a la qualité technique pour faire des, des passes un peu plus euh, tranchantes. Et je le trouve encore un peu limité euh, physiquement. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore à 100%. Et euh, des fois, sur certains retours, euh, je trouve un peu lent. Donc, euh, euh, je trouve correct, mais peut mieux faire. Et je pense qu'il n'est pas à 100%. Je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai verre et tout. Donc, je, je, je pense qu'il faut être encore un petit peu patient. Euh, Christopher, toi, tu euh, insistes sur le. le... Le fait que ce soit triste d'avoir ni Dieng, ni même Bakambu en Ligue des Champions, si Suarez se Blesse ou Sanchez, tu n'as pas un troisième mauvais choix, c'est plus que leur mettre la pression pour qu'ils partent. Ouais, c'est vrai, mais après, euh, le fait qu'ils ne soient pas en Ligue des Champions, ce n'est pas une sanction qu'a que décidé Longoria. C'est que vu qu'ils ont. Ils ont ils, ils, normalement, tu as 25 joueurs. On va revenir là-dessus si vous voulez, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire, mais normalement, sur ta liste A en Ligue des Champions, tu peux inscrire à 25 joueurs. Vous vous souvenez, l'OM a été, a été puni par le fair play financier. Ils ont pris une amende, etc. Et ils ont pris une réduction de 25 à 23 joueurs. Cette, cette, cette sanction elle est valable jusqu'à la fin de cette saison. C'est-à-dire qu'à partir de 2023-2024, il n'y aura plus cette sanction. Donc, déjà, tu perds deux joueurs. Et en plus de ça, tu as une deuxième sanction parce que tu n'as pas suffisamment de joueurs formés au club. Sachant que tu devrais avoir un minimum de quatre joueurs formés au club. Et à chaque fois qu'il en manque un, on te retire un joueur de ta liste. Donc en vrai, l'OM, ils auraient dû avoir 19 joueurs seulement. Mais euh, Longoria a négocié avec, euh, avec l'UEFA et ils ont, ils, ont, ils ont laissé la possibilité de faire un joueur de plus. Donc tu es remonté à 20. Donc au lieu de 25, tu n'as que 20 joueurs que tu peux inscrire. Donc ils ont été obligés de faire des choix. En défense, ils ont privilégié tous les joueurs expérimentés et ils ont, euh, ils ont écarté euh, Isaac Touré. Et en attaque, euh, Dieng était hors du groupe. Donc ça, c'est un peu logique qu'il y soit pas parce que c'était prévu qu'il parte euh, alors, à tort ou à raison. Là, je, je, je reviens pas là-dessus. Moi, je trouve c'est ça dommage. Mais le fait est qu'il devait partir. Même là, il était prêt de signer à Nice, etc. Donc, lui, il n'était pas dans le coup. Et ils étaient obligés de choisir offensivement le profil. Est-ce qu'on sort un Harit Est-ce qu'on sort un, un, un Bakambou, par exemple C'est des histoires d'un de, under. Et je pense qu'ils ont préféré la polyvalence des milieux offensifs qui peuvent jouer dans une autre configuration plutôt que Bacambo, qui joue pas beaucoup aussi depuis le début de la saison, qui, était, qui a déjà été en tribune, euh, voire euh, euh, même pas appelé dans... Non, s'il a été appelé dans le groupe, mais il n'est pas sur la, de, sur la dernière feuille de match, je crois. C'est vrai, c'est un, un risque qui a été pris. Euh, maintenant, si tu n'as pas de blessure, euh, dès la semaine prochaine, tu as Sanchez qui revient, et là, tu auras deux attaquants de pointe déjà. Même si Sanchez n'est pas un pur attaquant de pointe, il peut jouer à ce poste-là. Mmh. Allez, je descends un peu, j'ai pris un peu de retard. Si je saute quelques questions, ne m'en voulez pas, vous pouvez les remettre. Euh... Papa Ludo, tu me demandes, tu préfères Alexis Sanchez en neuf ou derrière l'attaquant ben, Perso, son vrai poste pour moi, c'est plutôt derrière l'attaquant. Maintenant, il est tellement bon euh, techniquement dans la, le jeu de remise, les déplacements, etc. Et vu le, le match moyen de Luis Suarez, euh, je pense que pour l'instant, je préfère euh, laisser Sanchez en pointe et avoir un Gerson qui techniquement est très bon plutôt que que, le, que, le, que laisser le Luis Suarez en pointe et, euh, et Sanchez derrière lui. Après, si Dieng arrive à revenir, euh, réintégrer le groupe, euh, faire changer d'avis euh, Tudor. Là, là, ça peut être intéressant d'avoir, euh, pour moi, Dieng et, et Sanchez en, en soutien. Parce qu'il pourra dévier, le lancer. Donc, euh, avec un autre attaquant, on verra. Euh... Actarus, tu me demandes, ils auraient dû mettre, mettre, mettre Bakambu ou Dieng. On a zéro profondeur, Sanchez, qui ne fait pas 90 minutes. On n'a que 6 matchs. Mais euh, on, a, on a peu d'attaquants de métier, surtout. Pas sûr qu'on ait la possession, il nous fallait de la profondeur. Et oui, ça je suis d'accord. Mais ça, c'est dingue. Mais après, euh, il a, je pense que c'est surtout des problèmes extra-sportifs plutôt que sportifs. Et ça a des conséquences sur le sportif, malheureusement. Merci pour la précision, je t'en prie. Euh, Kit, tu me dis, euh, Pedro Ruiz Delgado. Est-ce qu'il peut se relancer cette saison Pff, On n'en parle tellement pas, j'avais oublié qu'il était revenu ce joueur. Ils l'ont pas reprêté quelque part Je ne sais même pas où il est ce joueur. C'est vrai que c'est une question qu'on qu devrait poser parce que. Disparu complet. Euh... Slim, tu me demandes, tu penses quoi de tous ces journalistes qui sont montés au front pour défendre Galtier et Mbappé Qu'est-ce que je peux dire là-dessus sans, sans déborder, parce que ça me gonfle en vrai. Il euh, y a plusieurs choses qui me gonflent. Euh, ce qui me gonfle, c'est que Galtier, il, a pas, il répond mal. Il répond mal à cette question. Mbappé euh, est ridicule à rigoler comme un collégien. Et euh, après, je trouve que le procès médiatique de ça est exagéré, même s'il a tort. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société où... Euh, les prises de parole euh, intempestives sur Twitter se font légion et euh, que ça soit pour critiquer Galtier ou pour défendre Galtier, je trouve ça ridicule en fait. Alors critiquer, oui, mais il y en a certains qui exagèrent, je trouve que ça va trop loin et que les gens euh, s'engouffrent dans, dans les choses comme ça. Donc euh, Galtier aurait dû travailler un peu son dossier et répondre différemment. Surtout que le PSG a priori discute avec la SNCF pour faire plus de transport en train. C'est une, un vrai, une vraie question, c'est intéressant quand même de se dire il faut quand même essayer de trouver des solutions pour, pour moins cramer de, de kérosène. Mais euh, sa réponse, elle n'est pas bonne, elle est ironique, elle est second degré. Après, le déferlement qu'il y a autour de ça, je trouve ça un peu démesuré. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a des... Euh, je préférais qu'on qu qu s'inquiète de problèmes profonds en termes d'écologie plutôt que faire une fixette sur la réponse de Galtier, le SUV de Mélenchon ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est des détails, on peut les critiquer, mais le fond du problème, il n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on fait globalement pour essayer de, de changer tout ça Ça, c'est des détails. quoi. Et je trouve qu'on se fixe trop sur des détails et on oublie du coup le global. Que fait le gouvernement globalement pour, euh, pour, euh, pour baisser les émissions de CO2 Pour moi, c'est ça la vraie question. Et on ne va pas faire un, un débat fac politique. Euh... Est-ce que Bakambu va partir de me demander de En tout cas, Langoria aimerait bien, mais c'est mal barré. C'est mal barré, même s'il y a des offres en Turquie, il n'est pas chaud. Et ce n'est pas pour jouer avec des champions, puisqu'il ne la joue pas. C'est plutôt pour garder son, son gros salaire. Euh, Woody, tu me demandes, euh, quel est selon toi le plus, le plus gros point faible, s'il y en a un, de cette équipe de l'OM euh, Le point faible, alors j'en vois plusieurs. Ce n'est pas des gros, mais je vois plusieurs point faible. Le premier, c'est que Tudor est arrivé tard et que si on voit collectivement l'évolution positive de l'équipe et on a vu des très belles choses, et j'avoue que je suis surpris de voir des belles choses si tôt, on voit que tout n'est pas huilé collectivement et que les joueurs ne répondent pas encore aux attentes de Tudor qui, lui, veut un pressing permanent, euh, veut beaucoup plus d'engagement physique, euh, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. C'est quelque chose qui va se régler avec le temps. Mais ça veut dire que l'équipe, elle n'est pas encore... Euh, elle n'est pas encore à maturité collectivement et c'est normal. normal. Euh, après les petits points faibles que je vois dans le système de, dans, dans le jeu, comme je l'ai dit, il y a des, des, euh, des joueurs qui sont individuellement pour, pour moi pas encore à 100%. Je peux penser à Ver et tout, qui pour l'instant euh, je le trouve un peu en deçà. Euh, le banc, il manque euh, un latéral gauche euh, en doublure au poste de Tavares, que quand Tavares ne va pas pouvoir jouer tous les matchs. Et effectivement, euh, si tu ne réintègres pas Dieng, il te manque euh, peut-être un attaquant. Et peut-être qu'il te manque un attaquant avec un, un profil un peu plus grand. Euh, bon, non, Minik est parti, euh, c'est peut-être un problème. Et maintenant, il va, il va aussi falloir trouver le, le bon axial gauche. Donc, ça, c'est plein de petits problèmes. Mais globalement, tu as quand même une ossature. Je trouve que des joueurs comme Mbemba se sont installés très très vite. Euh, on attend que Bailly fasse la même chose. Euh, Rongier est satisfaisant. Tes latéraux, enfin, tes pistons, ils sont quand même juste énormissimes depuis le début de la saison. Tu as, as deux super joueurs. J'attends le retour en force de Gerson. Euh, Sanchez, super pioche pour l'instant. Donc, non, non, globalement, c'est très satisfaisant, mais il y a des petits points faibles. Tout le monde est ridicule dans cette histoire. Voilà, c'est ce que je pense, Chris. Euh, Nico l'UFA, le PSG a recruté le Tellier comme quatrième gardien, formé au PSG, passé par Angers pour remplir son quota de joueurs de plus de 21 ans formés au club. Tu penses que l'OM devrait faire de même, avoir un Abergel euh, pour être le remplaçant ou, ou du remplaçant, par exemple ben Yannis, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Euh, ça, ça serait une solution. Euh... Après, c'est pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'Abergel, euh, Bergel, il joue Pourquoi il, il viendrait de ne plus jouer, même si c'est son club formateur Mais je pense que, comme le disait euh, Longoria, c'est grave. Ça veut dire qu'ils ont un problème. Ils, les, les jeunes joueurs, ils n'arrivent pas à les faire monter. La saison dernière, il y a Targaline euh, qui a été prêté là. Il a joué, euh, je ne sais plus, je crois, en tout, il a dû jouer 12 minutes euh, sur 3 matchs, je crois, avec San pauli Et c'est le seul jeune, quasiment, qui a joué. Donc, euh, là, vu qu'on est parti Tudor, je ne vois pas quel jeune du centre de formation. Et en plus, ils en ont recruté plein en post-formation. Euh, J'ai vu que là, à l'entraînement, aujourd'hui, il y avait qu'aussi euh, l'énorme défenseur central suisse, là, qui est hyper grand. Euh, mais est-ce que ces joueurs-là vont jouer et je, Longoria se posait la question, il disait que c'était un gros problème à l'OM, que c'était grave. Je suis d'accord avec lui, c'est grave. Il faut, il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut que les, des jeunes comme Ben Seguir, comme tu dis, euh, etc., ils puissent. Euh, c est, c est pas des, ils ne sont pas prêts pour être titulaires, ces joueurs-là. Mais si tu les fais jamais jouer, ils vont jamais vraiment progresser. C'est n'est pas en National 3 qu'ils vont progresser. Donc, soit tu les prêtes, les meilleurs, soit tu les fais monter dans le groupe élite et, et tu fais de la place dans ton effectif. C'est pour ça que je pense que notre ami Longoria, il, est, il voulait réduire l'effectif pour, pour qu'il y ait un peu plus de place pour les jeunes. Mais ça, il n'a pas pu le faire comme il voulait. Maintenant, il va falloir que ça, c'est un travail d'évolution qui va être un peu important. Mais je pense que la première chose, et ça, c'est une contradiction de, de Longoria, si tu veux donner de la place aux jeunes et les valoriser, par exemple, tu avais un jeune bah, Bambadien, alors peut-être qu'eux, oui, ils ne il, il, il croient pas en lui comme moi, je crois en ce joueur. Mais quand as un bambadien qui fait un très bon début de saison, etc., même si Sampaoli voulait un attaquant de plus, tu ne prends pas Bakambou. Tu... Ton attaquant remplaçant, c'est Dieng derrière Milik. Et quand l'été arrive, tu ne prends pas Louis Suarez. Tu... C'est Dieng, ton attaquant remplaçant. Si tu fais ce choix-là, c'est un choix fort, certes risqué, mais bon, quand tu recrutes, c'est toujours risqué. Bakambu, euh, ce n'est pas risqué. Et tu payes un salaire de ouf, il ne joue jamais. Donc c'est un risque, c'est un, 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 un pari perdu pour l'instant, Bakambou. Donc moi, je. Euh, tu Fais ça là, tu laisses de la place à ton, à ton jeune joueur qui peut, qui peut évoluer. Si tu fais pas ça, tu n'as pas de place et les joueurs ils progressent pas. Ou alors tu le prêtes en Ligue 2. mais Dans ce cas là, il faut avoir des bons réseaux avec des clubs, euh, pas forcément partenaires, mais des clubs à qui tu t'entends bien pour prêter des joueurs qui jouent et qui évoluent. Parce que s'ils jouent pas, ils progressent pas. Euh, Soso, tu me demandes, euh, tu préfères Colasinac ou Gigo à côté de Baye et Mbamba mais Écoute, euh, je suis partagé. J'ai du mal à répondre à cette question, Soso, parce que j'ai bien aimé le match de Kolasinac face à Auxerre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la, la première mi-temps de Gigot face à Clermont avant qu'il se blesse. Donc je suis partagé, parce que Gigot, j'étais assez déçu par son début de saison. Il jouait dans l'axe, on le rappelle. Et là, il a joué une mi-temps à gauche et je l'ai trouvé beaucoup plus libéré à gauche. Donc je pense que c'est intéressant. En tout cas, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui assassine Balardi. Mais Balardi, je ne préfère pas le voir à gauche. Balardi, ça doit être la doublure de, de Bailly dans l'axe. Et Bailly, vu qu'il va falloir le laisser remonter en puissance doucement, il va jouer Balardi. Et dans l'axe, je pense que ça va être intéressant. Mais sur le côté gauche, ouais, je suis partagé entre ces deux-là. Euh... Joff Off, tu dis, c'est bon les écolos du dimanche, ça commence à gonfler et ça n'a rien à faire dans le football, ils sont écolos mais roulent en gros 4-4. Alors je ne vais pas rentrer dans cette polémique débile, Joff euh, Off, ça ça m'intéresse pas. C'est des raccourcis et je pense que, comme je le disais, il faut s'intéresser au problème global, pas aux petites polémiques pourries. Ouais. Slim, toi, tu penses que Bakambou sera utile ben, Peut-être pour lui, ouais. Euh, peut-être qu'il qu sera utile et qu'à un moment donné, il va avoir un peu de temps de jeu. On verra bien. Après, ça dépend de ce que va faire euh, Luis Suarez aussi. Si Luis Suarez euh, arrive à être performant, je pense que ça va être difficile pour Bakambou. Par contre, si Luis Suarez fait le même genre de match que face à Auxerre, il va y avoir une place de remplaçant qui va se, s'offrir à, à Bakambou ou peut-être à Dieng. Moi, j'espère vraiment que Dieng va être convaincant à l'entraînement, que ça ne va pas être faussé par les rapports d'agents. Euh, J'y crois moyennement, hein, je, je, je vous le dis, mais euh, j'aimerais bien que Dieng euh, revienne. Ouais. Euh, Malpoki, tu me dis, euh, pour toi, une Ligue des Champions réussie, euh, pour nous cette saison, ce serait aller jusqu'au bout. Ah non, jusqu'où, pardon, j'ai suis peur. Ce <laughs> serait aller jusqu'où Bah écoute, déjà, moi franchement, si tu sors des poules, la Ligue des Champions, elle est réussie. Déjà, ça, c'est. Euh, ça, euh, ça serait une perf, pour moi. Après. Si tu es éliminé en terminant quatrième, ça sera raté. Par contre, si tu termines troisième et que tu retrouves en Ligue Europa à partir de 2023, je trouve ça aussi intéressant. Euh, je pense que ça va être difficile de sortir de cette poule. C'est difficile mais pas impossible. Mais je, je, je pense qu'en fait, tu, Longoria devrait leur fixer l'objectif des huitièmes de finale, sachant que troisième, c'est bien. En fait, je le vois comme ça. Question. La Juve gagne à Paris ce soir et Milik claque un doublé le regretteras tu ou bien ce serait bien fait pour, euh, pour Paris ah non non euh, moi que euh, à partir du mo moment où Paris perd je suis content quoi qu'il arrive et Milik il faut se dire que peut-être que euh, dans le système de jeu de la juve qui est très minimaliste euh, et qui est un jeu euh, plus direct etc il s'y retrouve un peu il retrouve de la confiance non non tant mieux pour lui euh, c'est pas parce que Milik claque avec la Juve Et qu'il claquerait avec, avec nous Donc euh, non, euh, je vais pas avoir de regrets Après c'est vrai que ça nous fait un, un profil de moins dans l'attaque Ce qui est dommage C'est vrai qu'on aurait bien aimé euh, imaginer euh, Milik-Sanchez avec Gerson ou Payet Ça avait quand même de la gueule euh, Si Milik euh, re retrouve euh, son, son niveau de jeu Mais bon, c'est comme ça Il est plus là ça, ça, Moi je, je vis pas dans les regrets Milik est parti, il, il fait plus partie de l'effectif Donc... Euh, Slim, il faut. Ah oui, non. <laughs> ouais, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, mais je ne vais pas lire cette, cette remarque. Euh, Actarus, on ne peut pas en vouloir à Bakambou de rester. C'est pas un lofter. Il essaye de s'imposer. On a quand même une sale vision de ceux qui n'y arrivent pas. CF Milik. Ouais, euh, je... ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, Bakambou, je n'ai pas une sale vision de lui. Moi, je suis, je suis plutôt. Euh déçu de, euh, du fait que Langoria ait misé autant d'argent sur ce joueur. Je dis pas que c'est un mauvais joueur qui ne mérite pas un gros salaire, Et il avait un salaire bien plus élevé en, en Chine. Mais euh, c'est un choix étonnant, euh, je ne comprends pas trop en fait. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais encore une fois, je trouve que tu, tu sacrifies un jeune joueur à sa place. Je ne suis pas sûr que Bakambu soit meilleur que Dieng donc euh, il a d'autres qualités peut-être, mais euh, ouais, je comprends pas le choix en fait. Euh, Stifler, toi tu dis je vous trouve sévère avec Gigot. Il s'impose à chaque fois, plus bonne course vers l'avant. Non, moi j'ai pas dit qu'il était mauvais Gigot, mais euh, le, la mi-temps face à Clermont, je l'ai vraiment trouvé génial, enfin vraiment très bon, incisif, très agressif. Il courait dans tous les sens, un peu comme euh, l'a fait Collazinage face à Auxerre. Donc j'ai vraiment adoré cette, cette mi-temps là. Par contre, quand il était dans le rôle de défenseur axial, je l'ai, trouvé plus brouillon, euh, plusieurs relances plein axe dangereuses, euh, des duels non maîtrisés. Donc euh, non, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais je n'ai pas été convaincu. J'étais un peu en attente, euh, euh, donc j'étais un peu déçu. Ce sais pas pour autant que je l'ai trouvé mauvais. Je n'ai jamais, jamais dit ça et je ne le pense pas. Par contre, c'est vrai qu'Axial Gauche, peut-être que ça lui colle mieux. Il a plus de liberté, plus de course. Peut-être c'est un joueur qui aime courir davantage, donc c'est peut-être intéressant. Romain toi, tu nous dis attention, car le jeu convient aux caractéristiques de, de compter dans les transitions rapides. Donc, attention aux espaces dans le dos de nos pistons. Ouais, ça va être un jeu tactique au milieu de terrain, ça va être intéressant. Euh, albino sensible, albino sensé, tu dis rongier, c'est moyen quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je rongier, je trouve que c'est plutôt bon, globalement. C'est un joueur euh, très carré, très appliqué, qui. Euh, qui peut amener des, des belles choses. Il, il a quelques pertes de balles encore à gommer, mais sinon franchement c'est très très bon. Est-ce que le groupe pour le déplacement de demain est déjà sorti euh, Je ne crois pas qu'il soit sorti, quitte. Mais en plus là, depuis que cette saison-là, les groupes ils sortent vraiment à des horaires. C'est l'endemain, c'est infernal. Quoi. Mais euh, je vais vérifier quand même pour pas raconter. Ah si, il vient de sortir, il y a 20 minutes, tu vois. Donc, je vous le donne en direct. Breaking de kit, pour kit surtout. Donc, Lopez, Blanco, euh, Simon, trop gardien. Gigo, Mbemba, Bailly, Balardi, Colasinac, Tavares, Klos, et Caboret. En défense. Les milieux Verretou, Rongier, Gay, Gendouzi, Gerson, Payette, Harit, Under et Suarez. Donc, pas de surprise. Euh, Payette est bien là. Et. Euh et Jigo est bien là aussi. Deux retours dans, dans le groupe. Donc voilà, pas de surprise, Sanchez est suspendu et euh, Bakambu, Dieng et, euh, et Touré ne sont pas inscrits. Donc euh, groupe euh, logique. Je descends un peu. Pareil, si vous avez posé des questions et que je ne les ai pas vues. Kit, euh, tu me demandes ce que je pense de la situation d'Isaac Liadji euh, bah, Football moderne, j'ai envie de te répondre. Jeune joueur talentueux, mauvais entourage, euh, décision étonnante de partir à Lille, alors qu'il aurait dû rester à l'OM. Et Plantade pour l'instant, alors c'est pas dire qu'il se relancera pas à un moment donné, mais mauvais choix de carrière. Il s'est vu trop beau, trop vite. Il fallait travailler encore. J'ai peur que avec des Champions soit là une marche trop haute à franchir. Rongier, contrairement à Gandouzi, ouvert retour. Pour Rongier. Toi, c'est Romain qui insiste sur Rongier. Bah, c'est sûr qu'en termes d'expérience, il ne l'a pas, mais euh, il l'a joué une fois. Euh, je ne sais pas. Bah, écoute, Romain, euh, c est, c est, tu, tu le sens comme ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais il n'y a que le terrain qui, qui donnera la. La réalité de ça, on verra demain. On verra demain comment Rongier va se comporter avec des joueurs qui vont être physiques, qui vont lui rentrer dedans. Donc ça va être intéressant. Je suis d'accord avec Christopher qui dit que pour l'instant, Veretout n'est pas meilleur que lui. Voire moi, moi, je dirais même que pour l'instant, il est moins bon. Ce n'est pas un jugement du tout définitif, mais je pense qu'il n'est pas à 100% tout. Donc pour l'instant, un tout pas à 100%, c'est moins bon que Rongier à mon avis. Euh, Salmak, tu me dis pourquoi. Euh, bon, je ne dis pas son nom de famille, c'est trop compliqué. Pourquoi Simon est dans le groupe alors qu'il n'était pas dans la liste pour Avec des Champions Alors, ça, je pense que c'est parce qu'il est dans le, la liste B. La liste B, c'est la liste des jeunes, euh, justement, euh, qui sont dans la, dans, dans la liste B. Euh, mais ça ne compte pas pour la liste A et ces fameux quotas de 4 joueurs formés au club. Donc. Euh, il est dans la liste B, donc tu peux le convoquer dans ta liste A. Je crois que c'est ça. C'est assez compliqué leur histoire de liste A, liste B. Il faudrait que je creuse ce, ce, ce dossier-là aussi. Parce Il y a tellement de choses à, à savoir au niveau des administratifs, c'est compliqué. Euh, Papa Ludo, tu me demandes est -ce en Ligue 1, est-ce que je crains plus Monaco, Lyon ou Lens Alors, je vais te faire une réponse normande. Euh, je pense qu'en termes de résultats, je crains Lyon parce que Lyon en plus n'a pas de Coupe d'Europe cette saison donc euh, je crains plus Lyon. Lyon qui, euh, sans jouer de, de très belle façon, gagne ses matchs. Le, je, donc Lyon, ils ont vraiment l'objectif podium donc je crains vraiment Lyon par rapport à ça. Monaco, ça paraît très irrégulier mais ils ont un bel effectif. Et en termes de jeu et d'état de, d'esprit, je crains Lens donc en fait je crains les trois mais de façon différente. Et si je fait une hiérarchie, je mettrais. Euh, je mettrai euh, Lyon premier, et Monaco et, et Lens euh, juste derrière. Et Dieng, il jouera en Youth League Je ne pense pas. La Youth League, il est trop vieux, je pense. 28 nuances. Je ne sais plus quel est l'âge limite pour la Youth League. Je vais regarder ça tout de suite. Pas dire de bêtises. Euh, moins de 19 ans. Donc tu vois. Ce n'est pas possible. C'est bien ce que je disais. Il est trop vieux. Merci Loriade pour la précision. Il dit bien, la liste B, c'est les joueurs formés au club de moins de 21 ans. Pas besoin de les enregistrer. Mais tu avais dit moins de 21 ans, c'est 19 ans. Ce que j'ai vérifié. Comme ça, tous les deux, on s'est complété. Loriade, c'est bon. On a une réponse carrée. C'est moins, moins de 19 ans et c'est les joueurs de moins de 19 ans qui participent à la, à la Youth League et je crois qu'il y avait un petit euh, il y a le, le PSG Juve um, je crois qu'il y avait 5-1 à la mi-temps pour le PSG j'ai juste vu un but là euh, ça va à 2000 alors hein, les joueurs du PSG Kit euh, tu dis l'OM a le 4ème effectif le plus cher de Ligue 1 derrière Paris ASM et Rennes, c'est vrai que Rennes ils investissent hein. Mais Rennes, c'est les rois de l'irrégularité. En plus, pour l'instant, ils ont leur meneur de jeu, je crois, Majer, qui est pas top. Donc, Rennes, début de saison un peu compliqué. Il y a eu des changements un peu étonnants. Mais je pense que si on fait un petit point Ligue 1, on parlait des concurrents. Je pense que celui qui déçoit le plus, c'est Nice. Nice, ils ont quand même récupéré PP. Ils ont pris Sofiane à Monaco. Ils ont récupéré la Borde Offensivement, c'est quand même pas trop mal. Euh, Todibo c'est un bon joueur derrière. Ouais, c'est euh, compliqué. Avec Favre en plus, qui est un coach qu'on connaît bien. Ils ont un début de saison ultra compliqué. Le, le jeu, c'est rien, c'est vide. Quoi. Alors Yanis précise euh, il faut que ça soit de 2004 ou moins pour la Youth League. Et on a le droit à, à 5 joueurs de 2003. Ok. Donc vous, vous nous faites un petit euh, débat euh, Rongier versus Veretout et euh, et, euh, et euh, Je pense que c'est difficile de comparer tous ces jeux. Gendouzi. Il a tellement un jeu différent. Je, je, je peux je peux pas le comparer à ceux. Rongier. C'est pas le même genre de jeu. Ils sont complémentaires. Alors que Veretout Rongier, ça c'est un peu plus similaire. Il y a des différences hein, bien sûr, mais ça se ressemble plus pour moi. AMD, tu donnes, tu donnes une précision supplémentaire. Tu dis que c'est les joueurs de moins de 21 ans. Donc ça, c'est la liste B. Hein. c'est pas la Youth League. Hein. Et on fait un minimum de deux ans de manière continue dans le club. Kit, tu dis ouais, les prochaines rencontres seront vraiment difficiles pour l'OM. Oui, oui, mais après, tu si sais, tu peux bien les aborder. Si tu commences avec un bon match face à, à Tottenham, tu as l'enchaînement à, à Lille samedi. Moi, je joue au stade pour Lille, OM Lille, samedi. Donc, je serai sur le parvis du stade Vélodrome après le match pour la fancam. Donc, venez venez, me parler. Petit message. 28 nuances, toi, tu dis la Youth League, c'est quand même suivi par les gros clubs pour les pépites. J'espère que nos jeunes seront bons. Ouais, on va voir. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Je me suis pas encore trop intéressé à ça. Ils, ils vont jouer demain, logiquement, donc euh, je, vais, je vais essayer de, de, de m'y intéresser, je vais regarder ça ce soir. Euh, Malik, toi tu dis pourquoi les autres clubs en Europe, les grands clubs, donnent la chance aux jeunes et l'OM le fait trop rarement. Bah, après, tous les clubs ne le font pas, mais c'est vrai qu'il y a des politiques différentes et euh, ça passe par des effectifs aussi un peu plus réduits. Donc euh, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure Malik. Je pense que euh, Longware il en a conscience, il en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, euh... Woody, t'es vraiment inquiet toi. Tu dis j'ai peur que Verretou nous fasse une Stroutman. Non, non, c'est pas, pas parce qu'il vient du même club qu'il euh, va avoir les genoux cassés. Hein. Romain, toi tu précises, Verretou et rongier, c'est l'école nantaise, plein de finesse mais aussi d'agressivité. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Yanis, moi emballé par notre ami Rongier, tu dis qu'il est titulaire juste parce qu'il court et qu'il est polyvalent. C'est un couteau suisse, mais pour couper le beurre, elle est pas mal, ça là. là C'est trop limité en C1 avec AVB, on l'a vu l'an dernier à Rotterdam. À Nice, euh, Coupe d'Europe, dès que l'intensité s'élève, il n'y a plus personne. Mais écoute, Yanis, euh, pareil, rendez-vous demain. On verra bien si. Euh, la réponse de Rongier, on va voir comment il va te répondre. Moi je pense qu'il a les capacités d'élever son niveau de jeu. Dans un collectif un peu plus fort, je pense qu'il sera, il sera plus fort. Euh, et on, comme dit Dave Van fire, on, on lance les jeunes d'Arsenal, c'est vrai. Euh, le match de Youth League de demain n'est pas diffusé. C'est une info ça, Shank? Je ne me suis pas renseigné. Celui du PSG, je ne sais même pas s'il était diffusé. Le, les clubs ne diffusent pas les matchs de, 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 de Youth League Parce que le match du PSG il était diffusé, je crois. Enfin, de la, je parle en Youth League. Hein. Ah, le match du PSG il était sur Sport. Donc. Euh je sais pas si autonome c'est pas la même chose, non J'ai la liste. Euh, J'ai la liste des. Euh, la, tiens, c'est une liste de 40 joueurs euh, euh, pour la YouSlick du côté de l'OM. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gardiens, quoi. Voilà, la liste elle est énorme. Mais il y a toutes les recrues. Hein. Tous les joueurs qu'ils ont recrutés cet été, euh, Mwege, euh, euh, Van Neck le gardien, Niac aussi le défenseur central, CA, Traoré, et tout ça ils sont, ils sont dedans. Hein. Euh, Lopodo, tu dis je sens une victoire 4-3 pour Tottenham. Ah ouais, toi tu vois beaucoup de buts avec un match vachement ouvert. Euh, je pense pas, à Tottenham ça reste une équipe un peu à l'italienne de compter donc euh, je pense que Tottenham ils aiment bien fermer. Je pense pas qu'il y aura autant de buts, mais euh, après j'espère me tromper. Ok, d'accord, euh, Shank. Si Titi le dit. Christopher tu dis canal et Amras sports Sport, Mais toi tu parles de la du match des grands, on parlait de la Youth League Christopher. J'ai pas le temps de regarder en même temps, en plus là il est déjà 16h15, donc je vais pas, je vais pas perdre 3 heures là-dessus. Mais si vous avez l'info là sur le, la diffusion des matchs de l'OM en Youth League, euh, déjà ça m'intéresse et je pense que ça intéresse peut-être pas mal de monde. Euh, Romain toi tu dis sans vouloir faire du Guardiola je mettrai Colasinac au milieu de la défense. Pour être agressif sur Kane et ne pas lui permettre de faire le jeu. Ouais, Kane, c'est vrai qu'il joue euh, quasiment 10 euh, sur certaines phases de jeu. Mais euh, non, je, moi je ne le mettrai pas dans l'axe. Je suis pas d'accord avec toi. Je le laisserai, euh, euh, je laisserai bien axe gauche. Bah il peut lui faire mal aussi. Hein. Euh, Nico, à qui toi tu, tu signes pour un match nul Ouais. Ouais, non, bien sûr, moi aussi je signe pour un match nul. Et en plus, comme dit euh, Jelazniak, Tottenham joue City euh, le week-end prochain. Euh, donc, euh, ils feront peut-être tourner un peu. Ouais, je pense pas, c'est la Ligue des Champions quand même. Même si les clubs anglais y accordent un peu moins d'importance que nous. Ouais. Euh, Fossé 1 du 65, toi, tu te poses une question. Est-ce que le match ne serait pas sur TV peut-être TV peut-être. On est côté euh, 20ème équipe. Avec une cote de 200 pour vainqueur de la Champions League. Il n'y a pas eu C'est vrai que la cote est énorme. Mais bon, je vous conseille pas de miser là-dessus. Euh, quitte, tu me demandes si les cartons rouges qu'infligent les arbitres en Ligue 1, et Ligue 2, tu les trouves comment bah, je, comme, je trouve comme tout le monde, il y en a certains qui sont abusés. Je... Après, ça arrive souvent qu'en début de saison, les arbitres ils aient un peu de nouvelles consignes et qu'ils soient un peu en mode cowboy. Plus que d'habitude, encore. Ils sont déjà de base. Mais euh, c'est vrai que là, ce début de saison, c'est très, très cowboy. Ouais. Euh, fig basilic, sympa comme pseudo. Est-ce que le mélange fig basilic est sympa? Je connais euh, euh, fraise basilic, mais fig basilic. Euh, Kloss, je le trouve en dedans pas l'air d'être épanoui. Préparation trop lourde pour lui. Bah, je pense que tu dis ça parce que tu restes sur la première mi-temps face à Auxerre, où effectivement il était un peu en galère et c'était. Euh, et que pas très... Euh, il n'a pas été performant, mauvais pied, effectivement peut-être un peu de fatigue, mais sinon, je, franchement, tous les autres matchs, j'ai pas du tout vu le même match que toi. Pour moi, au contraire, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du début de saison. Il a été euh, hyper fort sur son couloir, dans son couloir droit. Je le trouve super quand on à, à l'OM, donc euh, je vois pas... Mis à part la, la mi-temps, effectivement, face au serre, il n'est pas bon, mais, euh, on peut fatigue plus euh, mauvais côté, mais sinon, euh, dans son couloir droit, il a été juste super fort. Il, est, il a son prime, c'est un joueur qui a son prime, il est au top, donc euh, non, je ne suis pas d'accord. Lopo Dodo, tu dis, euh, voulez-vous voir le même système de jeu qui a fait le succès de notre début de saison, jeu vertical, pressing haut, ou un schéma un peu plus défensif au vu de l'adversaire Moi, je pense que tu peux quand même essayer d'aller les bousculer un peu en début de match avec un pressing un peu haut, et après, comme on disait en, en début d'émission, c'est peut-être... Euh, Peut-être que tu peux renforcer ton milieu de terrain en faisant descendre Gandouzi d'un cran et, et Gerson euh, rester avec, euh, avec Luis euh, Suarez devant si c'est les joueurs-là qui jouent. Je pense que tu peux faire un peu un entre-deux. Être plus renforcé au milieu, euh, essayer de presser mais vraiment bien en bloc, euh, bien posé, savoir un peu euh, attendre, garder un peu le ballon. Ce qui va être difficile surtout, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir la balle et de perdre le ballon parce que c'est là où verticalement ils vont te faire très mal. Donc, euh, pourquoi pas aussi les, les presser et, et leur faire ce qu'ils ils font aux autres Donc, c'est ça qui va être intéressant. Je pense qu'il faut quand même tenter ta chance. Tu peux pas faire comme avait fait Villas-Bois à l'époque et mettre un bus et euh, voir comment ça va se passer, même si c'est une solution qui pourrait les embêter, puisque c'est une équipe qui aime jouer le contre. Donc, euh, mais bon, moi j'aimerais pas trop ça quand même. Malik, t'es plutôt rassuré par le côté euh, expérimenté de la défense. C'est vrai qu'avec Bailly, Mbamba et peut-être Kola, c'est pas mal. C'est vrai, Jolazniac, euh, la priorité c'est la première ligue et compter en Ligue des Champions, c'est jamais été trop ça. C'est vrai, c'est une remarque pertinente. Yannis, tu dis qu'en quand on parle de l'OM, euh, d'un football plus physique, plus européen, etc. Tu trouves que ça se ressent dans notre centre de formation, cette limite Les Bertelli Sortino sont petits frêles. Et comme on n'est on est que l'OM, les petits ultra techniques haut du panier ne signent pas à l'OM. Ouais, c'est une bonne réflexion. Après, je pense que le football plus physique, plus européen, c'est pas la totalité de, de tes joueurs, tu vois. Euh, tu peux te permettre d'avoir des, des, des milieux un peu plus créatifs, un peu plus petits. Mais euh, il te faut quand même surtout de, 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 il te faut du physique à, à, à plein de postes et surtout en défense. Et surtout en défense, ça, c'est ce qu'ils ont fait énormément cette, cette, cette année. Donc, euh, c'est donc pas mal. Gigo basilique ouais. ça, c'est <laughs> pas mal, ça. Hum... Malik, tu dis pourquoi à 8000 km j'arrive à voir des trucs que la VAR n'arrive pas à voir. Ouais. Problème d'alcool peut-être dans la VAR. Non, je, sais, je rigole. Hum... C'est difficile de lancer des jeunes dans un contexte marseillais. Trop d'exigences euh, au niveau des résultats. Le coach... Les coachs ne veulent pas prendre de risques. La plupart des clubs de Ligue 1 n'ont pas cette pression. Ouais, ça c'est sûr. C'est une réalité. Ça, euh... Euh... Marimo, mais euh, je pense qu'en fait quand les jeunes ils sont vraiment très bons, comme Camara, même Lopez hein, était un, un bon joueur, euh, quand ils sont bons il faut qu'ils jouent. Là la question en fait elle est double, c'est est-ce que tu as des joueurs suffisamment bons pour jouer en Ligue 1 Je sais pas. Et si oui, euh, est-ce qu'ils peuvent avoir leur chance euh, à l'OM donc c'est double, double problème pour moi. Je pense que tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1. Et je pense que le peu qui pourrait peut-être avoir grappillé un peu du temps de jeu, il n'y a pas la place. Donc ça passe par deux étapes. Réduire ton effectif pour laisser plus de place aux jeunes. Et, euh, et en attendant, les prêter pour les faire progresser. Parce que euh, ce n'est pas en National 3 qui progressent, encore une fois. Euh... Christopher, tu dis, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le diffuseur de, euh, de toute la ligue. On, on le saura demain matin, je pense. Ouais, ok. Merci en tout cas, Christopher, d'avoir cherché. Euh, Malik, mon milieu est bien aussi. Mais pouvez-vous me dire pourquoi ils ont tendance à rentrer dans la surface pour frapper et il nous manque un peu cette folie Ouais, je comprends complètement ta question, mais euh, tu veux dire qu'on ne fera pas assez de loin peut-être on a un mec qui frappe bien de loin, c'est euh, euh, notre ami Gay, qui en plus sera presque suspendu s'il est suspendu avant 2023, donc ça c'est quand même pas mal. Euh, donc euh, Gay c'est bien faire ça, Rongier a une bonne frappe, mais il, il est mafré, il a, il a la malchance, c'est les poteaux. donc euh, c'est vrai, peut-être qu'on n'utilise pas assez cette arme par contre, c'était si le sens de ta question. Euh, basique tu dis comment tu peux expliquer la volte-face de Kola est-ce que c'est mental alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs le mental forcément ça joue toujours une question de confiance le, mais je pense que le premier facteur c'est qu'il a fait la préparation complète avec l'OM donc là physiquement il est bien et c'est un joueur qui, qui mise beaucoup sur son impact physique donc c'est très important pour lui et euh, troisièmement je pense qu'il est vraiment adapté à ce, dans le système de jeu à ce rôle d'axel gauche où tu vas chercher loin l'adversaire Envoie dans les duels, euh, tu fais des courses, mais c'est moins des courses euh, offensives pures euh, comme peut le faire le piston. Donc je pense que c'est mental, euh, bonne préparation physique et un poste qui est adapté à ses qualités, à savoir beaucoup d'impact physique et beaucoup de, de, de qualité dans les duels. Euh, Frappinch, tu dis euh, Gay à les pieds carrés, un joueur comme Malinowski aurait fait du bien. Alors, deux parties de ta question. Un joueur comme Inoski aurait fait du bien, ça c'est clair. Je pense qu'on était tous prêts à le prendre euh, vu la réputation et le peu que j'ai vu, euh, c'est quand même du haut niveau. Par contre, Gay a les pieds carrés. Je ne veux pas te dire que c'est le meilleur technicien de l'OM, mais il n'a pas les pieds carrés. Je ne suis pas d'accord avec toi. Yanis dit pas étonnant en défense si Perrin et Camara sont sortis pro, ils sont athlétiques. Cette équipe, euh, cette équipe finale de Gombardella n'avait pas le niveau physique et technique. Je repense, par exemple, à Dinage ou Rabillard. C'est vrai c'est que c'est des petits gabarits. Après, euh, si Perrin, c'est plutôt costaud, Camara, en défense centrale, euh, il, a, il a souvent été critiqué. Enfin, pas critiqué, mais on a souvent pointé du doigt le fait qu'il était trop petit et pas forcément euh, monstrueux physiquement. Euh, donc, euh, tu vois, tu as, as raison, mais pas complètement non plus. Mais c'est vrai que tu pas des monstres physiques... Euh, 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 au centre de formation enfin des euh, derniers qui sont sortis par contre euh, le, le jeune euh, Nikosi je crois euh, ou aussi là c'est du, du lourd hein. euh, Kit tu me demandes si je pense que l'OM pourra conserver Tavares et Caboret en fin de saison <laughs> bah, entre Tavares qui semble avoir un très gros niveau qui qu'il n'y a pas d'option d'achat donc si ça dépend en fait si tu requalifié pour la des Champions, je vais faire avec Dessi parce que là, c'est que Dessi. Si Arsenal est hyper satisfait de Zinchenko et de Tierney, c'est quand même deux bons latéraux gauche, et qu'ils n'ont pas en, envie de Tavares, pourquoi pas Mais ça me paraît compliqué. Et euh, pour un euh, Caboret, l'option d'achat est bien trop élevée. Je pense que s'il reste, c'est que soit tu refais un prêt, soit tu, tu l'achètes en dehors de l'option d'achat. Euh, Bilel... Tu me demandes un petit mot sur Touré, j'aimerais le voir jouer, sachant que certains de nos défenseurs centraux ne sont pas irremplaçables. Mais écoute, Bilal, peut-être qu'on le verra euh, jouer, euh, pas tout de suite, après la trêve, face à une équipe un peu plus modeste, parce que là, Renlin, je pense qu'il va faire jouer titulaire, sauf s'il y a un peu de la fatigue. Mais, euh, mais oui, j'espère qu'il va jouer aussi. Memo, euh, prend un abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance. Je ne connaissais pas ça six mois d'avance. Merci à toi, mais moi en tout cas, de nous soutenir. Euh, merci à vous, à tous ceux qui, qui sont subs ou qui s'abonnent à, à, à cette chaîne FC Marseille sur Twitch. C'est euh, important pour nous. C'est comme euh, tous les gens qui vont revoir ce, cette, cette émission en replay sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui, qui, qui likent les émissions, qui mettent des commentaires. C'est important pour la visibilité en fait. Plus la visibilité, plus les gens peuvent venir. Et euh, c'est aussi comme ça qu'on qu 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 arrive à s'en sortir. D'accord. Frappinch, tu reviens sur ton histoire de frappe de loin et tu disais que Malinowski nous ramenait ça. Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, il en a déjà mis une ou deux, euh, gay de loin. Euh, je pense qu'il a la capacité de nous marquer des buts de loin, gay. Moi j'y crois à ça. Oui, il est peut-être plus grand que Koundé. Il est plus grand que Koundé. T'es sûr de ça Je vais vérifier parce que moi bon, j'ai un doute. Hein. Koundé. Koundé. Ah oui, un... c'est vrai que Koundé il est pas bien grand. 1m76. Mais Camara c'est pareil. Hein. Ah non, il fait 1m84. Koundé il fait que 1m76. C'est une blague. 1m78. Ouais je le voyais un peu plus grand que ça, Koundé. C'est fou ça. Bah tu vois, j'aurais appris un truc aujourd'hui. 118 Ouais, il est pas si grand que ça. Après, c'est vrai qu'il est large hein, Koundé par contre. Mike Caprice, il a signé pro, très jeune, beau potentiel. Ouais, AMD, il y, a, il y a plusieurs jeunes avec des potentiels qui signent très jeunes. Après, il y en a plein qui disparaissent hein, malheureusement. Il n'y a pas de place en équipe pro et euh, National 3. Enfin, La formation, c'est un problème. mais Longoria, on a conscience. Mais hein. euh, moi, tu dis de rien, même si dans le justificatif, on voit apparaître Chypre. C'est quoi Chypre Pourquoi on parle de Chypre C'est quoi C'est Twitch qui encaisse l'argent à Chypre C'est pas nous, en tout cas, je te le rassure. On n'est pas délocalisé. Euh... Tu dis c'est à cause des cheveux. Et on dirait qu'il est plus grand. Euh, L'équipe a sorti la compo probable, à mon avis, ce sera celle-là. Bah, Vas-y, euh, TCK, balance. Tacotac -tac, Use League 2022 diffusé sur UFA TV Compétition. Ou l'appli UFA. Bean et partenaire pour quelques matchs. Bah, parfait, Taco -tac. Ça c'est cool. Ça, c'est un bon lien, tu vois. Nickel. Ufa TV. On tous les matchs de la euh, League. Parfait. Merci à toi. Euh, BZ, tu me dis Moi, j'adore l'agressivité et le profil de Touré, mais j'ai un peu de mal à le voir titulaire. Bah, C'est un peu ça. Après, euh, si un jour il a vraiment sa chance dans un match euh, en Coupe de France, euh, contre un adversaire un peu plus faible, quand ça tournera un peu, peut-être qu'il va taper encore dans l'œil de, de Tudor et qui, qui va petit à petit gagner sa place. Ah, est, il est jeune, il hein, euh, faut être patient avec lui. Je vous le remets là pour ceux qui l ont, qui l'ont qui pas vu. Le, le lien... Ah non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché le lien Bon, j'ai rien dit. <laughs> Je voulais remettre le lien, mais ça ne l'a pas pris en compte. Voilà. Je vous remets le lien qu'a de, 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 de trouvé euh, Tac au Tac pour, euh, pour aller regarder la, les matchs de Youth League. Merci à, merci à lui, c'était bien de trouver ça. Euh, bon, allez, 16h31, je suis déjà un petit peu en retard. Euh, comme d'habitude, j'ai les enfants récupérés. Euh, je réponds encore deux questions rapides et, euh, et je vous laisse. Nico, ne penses-tu pas euh, qu'un vrai bon œuf de la tête serait plus intéressant que Sanchez en œuf Vu les centreurs qu'on en a, c'est une question de Drogba. Bah, écoute, Drogba, euh, sur le papier, oui. Euh, tu, dans ce cas-là, tu peux te dire avec Milik, euh, genre Milik, quoi. Voilà ce que dit Fossé. Hein. Euh, effectivement, sur le papier. Mais après, je pense que ça peut aussi fonctionner avec des plus petits gabarits. Euh, parce que tu, vas, tu peux aussi centrer à rat de terre. Et si le centre est bien donné, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un immense attaquant pour marquer de la tête. Et tu peux avoir des milieux un peu plus grands euh, qui rentrent dans la surface et qui peuvent récep réceptionner ces centres. Type gay et même Gandouzi qui est pas petit, donc euh, oui, c'est peut-être mieux, mais je pense que tu peux faire, euh, tu peux faire ça. Euh, Crazyo, tu dis Elmaz, pas un bon jeune. Ouais, Elmaz, c'est une bonne pioche a priori. Moi, le peu que j'ai vu en, en, le peu que j'ai vu en, en match amical, j'ai trouvé pas mal Elmaz. Je, ça peut être une, une plus solution. Qui tu parles de? J'ebriusus, euh, euh, pareil euh, les liés... Euh, L'ailier euh, suisse, euh, il a disparu. Ben, il a disparu en National 3, en fait. Euh, Suarez le fera très bien, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Allez, dernière question pour Nvidia. Pouvez-vous demander en conférence de presse à Langoria pourquoi tous les jeunes achetés à prix d'or, on ne les voit pas. Ben, on pourra lui demander, mais il a déjà un peu répondu. Il a dit que c'était de la post-formation et que ce n'était pas des joueurs pour euh, l'immédiat. C'est pour dans un an ou deux. Donc je peux te répondre à sa place si tu veux, Nvidia. Mais c'est ça. En gros, c'est de la post-formation. C'est des joueurs qui ne sont pas encore finis, qui ne jouent pas en, avec les équipes premières quand ils les prennent déjà. Allez, merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir été là. Euh, on, a, on a encore beaucoup de choses cette semaine. Ça va beaucoup bouger. On se retrouve demain. Deux lives. Premier live, Ryan, je ne sais pas à quelle heure il le fera. On vous dira ça demain matin. Il fera un petit live pareil en mode débat fac, mais FIFA. Des euh, débats FIFA Marseille. Donc il va jouer un petit peu à FIFA et répondre à vos questions en même temps à la cool en mode chill. Et le soir, donc Tottenham OM, on, je ne sais pas si on fera un avant-match, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera un débrief juste après le match. Donc soyez connectés sur cette chaîne, on sera là, on sera aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et puis jeudi, débat foot Marseille, comme d'habitude, un nouveau débat fac vendredi, euh, ça sera Ben ou moi à voir. Et donc débrief aussi du match euh, OM Lille. Je serai au stade, je ne serai pas en plateau, mais je serai au stade samedi. Et après, on repart sur une nouvelle semaine, encore à deux matchs. Donc, euh, restez connectés avec Football Club de Marseille. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux. Et à très bientôt, à, à demain déjà. Merci. Ciao.